Bonjour, cette petite vidéo pour vous dire que voilà, je travaille depuis le 3 octobre très exactement, puisque dans la nuit du 2 au 3 octobre, la tempête Alex a frappé nos vallées très durement. Donc ce que ça a fait pour moi, en fait, quand j'ai vu que les vallées étaient touchées, ça m'a mis en mode je pouvais plus dormir. Je regardais les images et en fait, il n'y a pas vraiment de mots. Et du coup, bon, j'ai quand même fini par m'endormir. Et en plein milieu de la nuit, je me suis réveillée à nouveau. Et la chanson est sortie comme une source. Les paroles, tout ça, ça s'est enchaîné vraiment très vite. Et quand une chanson arrive comme ça, c'est un cadeau. Donc c'est une chanson qui est sortie de mon cœur et de mes tripes assez naturellement. Et ensuite, donc comme quand ça sort comme ça, on a un peu peur aussi de sortir la chanson. J'ai voulu la montrer à mon amie Madame Guido, parce qu'en fait, on a assez rapidement communiqué, elle et moi, au motif que son père et mon grand-père étaient dans la même escadrille de l'armée de l'air française pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Normandie-Niemen, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire. C'était des as de l'aviation, Guido, Penzini, Delfino, à Nice, on les connaît. Donc un rapport évident à la résistance. Et on a discuté un peu toutes les deux et je voulais parler du berger Joachim dans la chanson et elle m'a dit « Non, ne mets rien de triste. Il ne faut pas que ce soit triste, on n'a pas envie d'être triste. » Et voilà. Donc la chanson « Tente et fière », c'est même quand c'est dur, ben, de rester digne pour nos enfants aussi. Montrer cet exemple-là de courage et de dignité, même si parfois il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Quand on est trop triste, il faut juste attendre que ça passe. Voilà, et à un moment donné, on se relève. Et d'ailleurs, les enfants sont souvent un très bon exemple parce qu'ils s'adaptent bien mieux que nous. Tutu. Nous, Steve, et Zamayo, les amis de Juga, des pianos, des foulias. Scouta. Tutu. Donc, Steve, il est arrivé, il m'a fait un cadeau. Ça fait 20 ans que je voulais qu'on fasse une chanson ensemble. Et pourquoi Steve aussi? Parce que, comme disait Chopin, mettez toute votre âme dedans, jouez ce que vous ressentez. Et c'est vrai que quand on entend ce qu'il a sorti avec son piano, c'est véritablement magique. Et Ségur Kekada Nisarta, une vallée dans son cœur. Donc de mon côté, je suis partie tourner un jour de grand soleil. C'était pas de la tarte, puisque donc, toute seule, je posais le téléphone au milieu du maquis. Et donc voilà, j'ai fait différentes choses pour essayer de faire passer le message. Regarde, est-ce pas beau, Luca Peu? Tente fière à la muvalade, à ma vallée, au mon pays. Tente fière, royatine. Ouais, alors fais-moi un peu le même genre. Voilà, et tu finis sur moi le regard. Reste fière! Reste fière! Et les jambes, tu me fais le... Tente fière! Ouais. Tente fière! Donc là, c'est pareil, si tu veux, tu vides la peur que tu as à l'intérieur de toi. Ouais, voilà, peut-être, en fait, t'as un démon qui t'embête et toi, tu te laisses pas faire, quoi. Et tu l'expulses. Tu l'envoies un peu chier, quoi, et tu dis, moi, je vais dans ma lumière. Alors là, on est dans le tournage avec Marie-Pierre et j'ai dû courir 5 km aller-retour pour retrouver la plume qui était tombée dans le chemin. Donc on reprend, on est parti à 8h du mat, un dimanche matin, voilà, pour tourner pour la chanson. Allez, manda! Il est arrivé
fait tant de choses, tu as jamais. Eh oui, non mais c'est du taf. Tu as donné tant de sueur, il demeure tant d'amour, tant de pluie. Oh, pas possible là. T'as pas du tout là. Coucou. Voilà, coucou. Petit backstage sous la pluie. Avec le parapluie quand même, hein, qui est quand même là, présent pour... Voilà, Luca Peu. Voilà, on nous a travaillé. Voilà. C'est pour montrer le truc, quoi. C'est la petite balade dominicale. Voilà, ça fait 3 heures qu'on est sous la pluie et on se régale. Là, en fait, on est obligé d'arrêter. On serait bien resté, en fait, avec Marie-Pierre. On peut jamais se voir poser autour d'un petit thé ou quoi. Il faut toujours qu'on se voit avec des rendez-vous, avec des trucs bizarres à faire. Et là, on est obligé de rentrer chez nous malgré 3 heures de pluie parce qu'on n'a plus de batterie. Le téléphone, il a limite pris l'eau, il est presque mort. Voilà. Et là, heureusement, on a l'autre téléphone qui prend le relais. J'ai voulu inviter Marie-Pierre, en partie aussi à cause de cette citation de Pina Bausch qu'elle incarne parfaitement. Longtemps, j'ai pensé que le rôle de l'artiste était de secouer le public. Aujourd'hui, je veux lui offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus. Des moments d'amour pur. Et ça, c'est Marie-Pierre. Et enfin, j'ai voulu inviter Kat Lubati, qui est violoniste, mais également professeur de violon et auteur. J'appelle ça les gente de valour, les gens de valeur, d'autant plus qu'elle était elle aussi très touchée, puisqu'elle a très longtemps enseigné le violon à Breil-sur-Roya. Enfin, vous verrez dans le clip donc un hommage aux chasseurs alpins, qui était à la fois français et italien, il y en avait des deux côtés. Les Diables Bleus, c'est l'histoire aussi de l'amitié entre eux et de la résistance. On a récupéré un chapeau originel de chasseur alpin italien, un manteau qui a été donc acheté d'occasion en Algérie, et le petit soldat de plomb pour faire la petite partie stop motion pour le générique. Voilà, et je terminerai en citant Jean Rochefort, le 6 février 2016, dans une interview qui disait que la culture est la seule solution pour créer de la cohésion. Et pour démocratiser la culture, il faut des artistes modestes qui ont comme seule ambition, non pas de se mettre en avant, mais de partager avec le plus grand nombre. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, de vous faire un petit cadeau. Et donc dans la chanson, on retrouve du français, de l'occitan, mais aussi la devise de la brigue, Semu cum semu, ma semu. Ça veut dire qu'on est comme on est, mais on est. Alors nous espérons que ce clip vous enchantera le cœur, comme nous avons pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et c'est cadeau. Je pense que tu peux piocher là-dedans, il y a quelques trucs qui sont bons. Ce que je voulais te laisser faire, c'est très bien. Voilà, après t'as du tri à faire, hein, voilà. Yes, Zine, c'est trop bien. J'ai trop hâte de participer à ce projet, vraiment. Voilà. Et du coup, tu me diras si je porte le manteau. Sinon, moi aussi, j'ai un manteau noir. Hein. Donc, dis-moi juste si tu voudras que quand même je porte le manteau et que j'ai quand même un habit noir sobre de toute façon. Tente fière, cum a toujours résiste, que si es brava, peira, peira, plan plani, leva la testa, tourna Basti. Bayetta.